voyez. Ah, la fabuleuse collection de... Oh, elle n'est pas complète. Ah, j'ai donné un plein baril de poudre à laver, rempli d'embouchure, à mon organisme, parce que je ne sais pas ce qu'il veut en foutre. Ah bon, un organisme, il ne va rien en faire. Non, mais il veut le mettre chez vous. Un musée, ça, c'est... Oui. Mais c'était cette photo-là, vous voyez. Ah ouais. C'était là. Bonjour, c'est là. Ça, c'est le Brandebourgeois avec Munch. Ouais. Et ça, c'est l'enregistrement Munch, à Londres. Non, ça, c'est pas à Londres. C'est à Londres. Mmh. Avec une perruque. Avec une perruque, déjà perruque, ça, c'est Marius Constant, je joue surtout avec lui. Mmh. Ça, c'est un élève à moi, qui est danois, qui joue très très bien et qui joue en soliste. Ça, c'est avec Claude Vassé, avec Boulez. À côté de Tours, la fameuse, vous savez, cette fameuse grange. Ah oui, Mécrange Mêlée. Ça, de Mêlée. Je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des taches sur le mur, j'ai collé ça. Hein, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait. Ça, c'est Ars Nova le Quintet. Ah ouais. Avant que je lâche, ça, c'est la même. Encore là. Ça. Ouais. Et ça, c'est à l'époque des disques dont vous parliez tout à l'heure. Il est tout mignon, là. Hein, bien ah oui, hein. J'étais jeune. Là. Beau, hein, jeune. Comme Harry James. Oui, un peu, oui. Sauf les yeux. Les yeux n'étaient pas bleus. Ah, ouais. Mais c'est donc une Quenon ou quelque chose comme ça. Une Quenon, oui, sûrement. Mais ça vaut rien. Je ne sais pas comment ils faisaient pour jouer avec ça. Mm-hmm. Ça, c'est une vieille, je ne sais pas quoi. Selmer, je crois. C'est une 635. Eh oui, c'est une vieille Selmer. Ouais. J'en avais beaucoup, puis j'en ai donné. J'en ai plus. Ça, c'est un violon séparé, il est tout pété. Bon. Tu n'en joues plus de violon? Non. Si j'en ai, mais c'est ma soeur. Il a enlevé les cordes pour qu'on ne lui en demande pas d'en jouer. C'est ma soeur.